Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé doit être le capitaine du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du capitanat au PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que vous pensez vraiment que Kylian Mbappé doit être le capitaine du PSG? Moi, je trouve que Marquinhos, pour moi, Marquinhos le mérite. Pourquoi? Parce que c'est le joueur le plus ancien du club avec Marco Verratti. C'est un joueur qui est impliqué dans le projet autant pour moi. C'est un joueur qui a prolongé jusqu'à, je pense, 2027. Donc, il a fond dans le projet et du coup, tu as Kylian, on ne sait même pas son avenir, soit il va prolonger, soit il va partir. Il est très probable que Kylian s'en aille, soit cet été, soit l'été prochain. Comment vous voulez donner le brassard à une personne qui n'est pas investie à 100% dans le projet, comme Kylian Mbappé? Comment vous voulez donner le brassard à une personne qui n'est pas investie dans le projet? Donc, moi, je trouve tout simplement que Marquinhos mérite ce brassard. Marquinhos mérite d'être capitaine du PSG, vu son passé et vu, comment dirais-je, son survie dans le projet. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.